Ok, on va dans le tunnel tomate. Donc là, c'était tunnel tomate 2015. Et sur les côtés, là où on ne peut pas tuteurer, c'est trop bas, on met de l'aubergine. Donc il y avait un rang d'aubergine droite, un rang d'aubergine gauche. Tout était surtout altissé. En termes d'irrigation, le premier mois après plantation, donc on plante ça mi-avril, 20 avril, le premier mois, on fait de la aspersion pardon, pendulaire, et ensuite on passe en aspersion basse, avec des sprinklers, les bleus là-bas qui sont dans le fond, sprinklers 30 cm de haut. Nous ne pratiquons pas de goutte à goutte, monsieur et dame. Voilà. Pourquoi? Parce que. On ne veut pas en fait qu'il y ait des zones humides et des zones sèches. On veut que tout notre sol travaille. Dixit Danny Schmidt, hein, un maraîcher bien connu en Alsace, qui avait des problèmes donc au bout de 20 ans d'abri et de rotation intensive solanacée. Il a également des sols légers. Il arrivait à des fatigues de sol importantes, des poivrons qui végétaient, etc. Remise en question. Et une des choses qu'il a faites, bon, première, c'est de passer en plan greffé. Mais la deuxième chose, plus agronomique, c'est de passer en aspersion basse, après un mois après plantation, parce que du coup, tout le sol sera humide. Et qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à ce que je disais avant, ça veut dire que tout le sol va travailler. On a laissé aussi pas mal d'enherbement spontané pour avoir du couvert. Parce que là, il y a de la levée. Les autres tunnels, il y a moins de levée. Il faut aussi l'observer. Et donc, pour la plantation de tomates proprement dite, avec deux coutres là derrière le tracteur, on a tracé les deux sillons, les deux rangs de plantation. Ensuite, on a posé les toiles. C'était des toiles neuves. Donc cette année, on a dû prendre le temps de faire les trous à l'emporte-pièce. Hein. On a le chalumeau a deux utilités chez nous. C'est le désherbage thermique et on change l'embout et on fait de l'emporte-pièce. Donc on a des croix, on a des ronds pour faire des trous dans la toile tissée, des choses propres qui sont cautériser pour bien pouvoir réutiliser la toile. Donc cette année on a fait ça, parce que c'est la première année de toile tissée. Et donc on plante notre tomate à travers la toile dans les sillons qui ont été pré-tracés. Et le couvert qui était en place, il reste sous la toile et ça fait une occultation pendant le début du cycle de la tomate. Irrigation pendulaire pendant un mois. Ensuite on pose les sprinklers, ça c'était une erreur de les poser qu'au moment où on allait les utiliser parce que les tomates étaient hautes comme ça, c'était le bordel, etc. Donc il faut mettre l'irrigation basse avant plantation, on pose la toile. En fait le bon truc qu'on va faire l'an prochain c'est tracer les sillons, poser la toile, mettre l'irrigation basse et ensuite on plante. Voilà. Même si on va l'allumer qu'un mois plus tard. On a la possibilité de faire de la ferte irrigation avec une pompe doseuse. Donc on apporte des vinasses de betteraves sur les solanacées en cours de culture, une fois par semaine en fait, on a les dosages, etc. Haute ou basse, hein. Ouais. Oui. Et ensuite, on commence à tuteurer, à tailler, etc., etc. Et ça s'est très très bien passé cette année. Bon, on avait une année très favorable aux solanacées aussi. Donc c'était pas mal. Ce qu'on a innové par rapport aux autres années, hein, on commence à être fainéant, on se dit mais il y a des trucs, pourquoi on les fait? L'an dernier on s'est emmerdé là, à sortir tous les systèmes racinaires des tomates, à sortir du sol, etc. Cette année, on a laissé les pieds de tomates. Donc là on a les cèpes de tomates coupées. Et t'as pas envie d'un jour de laisser le pied de tomate entier? Je sais pas, peut-être ça me viendra un jour. C'est un peu chiant pour planter quand même. Prendre la place. C'est ça. T'écartes et tu prends. Oui, alors ensuite, le tuteurage chez nous, donc Jean-Luc en a descendu une, là tu peux peut-être la faire passer. On est passé sur des bobines avec 12 mètres de ficelle. Donc l'idée, c'est de la réutiliser pendant 3-4 années pour des légumes tuteurés. Donc même si l'an prochain, il n'y a pas de tomates, s'il y a des légumes tuteurés, ben, elles sont en place, on peut tuteurer. Donc là, il y a un système, vous verrez, en passant, on peut bloquer, on peut aussi redescendre la ficelle si on veut. Si on récolte la tomate trop haute, on peut descendre un peu plus le pied, il s'enroule en bas et on récolte plus facilement, etc. Donc on a essayé cette année, on en est content pour comme système de tuteurage. Avant, on passait à des ficelles qu'on accrochait, on faisait le nœud, etc. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Et niveau tarif, 80 centimes, grosso modo, pièce hors taxe. Okay. Ah, t'as une sacrée densité là.
les pompiers. On est sur quelle densité? 40 cm entre rangs et 50 sur le rang. Bah là, ils sont peut-être plus tout à fait en place parce qu'on les a bougés pour arracher, etc. Mais on est à 40 sur 50 en réalité de plantation. Mais du coup, tu coupes ta ficelle en fin de culture et tu balances la ficelle ou bien tu voilà. Donc en fait, on a tuteuré le plan sur la ficelle avec des clips. On coupe d'abord en bas, pac, 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 on fait tout le rang avec un gros sécateur, là, un grand sécateur. Donc c'est, ça balance comme ça. Ça fait un peu abattoir, tu vois. Abattoir à tomates, après avoir été l'usine à tomates. Ensuite, on coupe en haut. Moi, quand j'ai 5, donc je coupe 5 plans comme ça, je les garde en main. Ensuite, je fais un nœud, comme ça fait des paquets que je peux. Genre, je fais ça partout et après, je peux les tirer, les sortir. Et donc, on entasse tout. On entasse tout notre bordel. On laisse composter pendant un an. On a fait ça cette année. On a remarqué qu'au bout d'un an, c'est bon, tout est dégradé et on peut récupérer l'éclipse. Donc, on retourne sur notre tas. Non, notre stagiaire retourne sur notre tas. Il emmène une caisse vide et il revient avec une caisse pleine de clips pour l'année d'après. C'est pas mal. Et les ficelles coton et les plants tomates sont compostés. Et en fait, notre histoire de couper les pieds, c'est venu l'an dernier des physalis. On avait des physalis derrière vous, là. Vous avez des résidus. Ça, c'était des plantations 2014. Donc, on a eu une petite récolte 2014 de physalis. C'était, voilà, bon, bref. On a pu faire des barquettes, sans plus. Et ça m'a un peu énervé, du coup je les ai zigouillés plutôt que les arracher, comme ça. Et cet hiver, on a eu les repousses de physalis qui sont venues, on a trouvé ça rigolo, on s'est dit bon, bah, on va les garder en deuxième année pour voir ce que ça donne. Et la récolte était meilleure, on a pu vendre des physalis aux grossistes, enfin un truc, voilà. Et du coup les physalis, bah, on les conduit maintenant en vivace. Et on s'est dit, bah, tomate, on va faire pareil, peut-être que ça va repousser, peut-être pas, a priori pas. Mais en tout cas, on va quand même bénéficier de la porosité qui va être faite par la décomposition des racines. Donc ça, c'était gagner du temps à l'arrachage de la tomate premièrement. On s'emmerde pas là. Et ensuite, on va réimplanter une culture très rapidement. Tu vois, parce que tu enlèves la toile. Bon, c'était complètement sec parce qu'à partir de mi-août, pendant les deux derniers mois et demi de la culture de tomate, on n'a plus arrosé. Donc on n'a pas eu de problème sur la tomate, mais on a eu un sol très sec. Et donc on enlève la toile et on arrive avec nos plants de blettes dans le tunnel. Ça fait un peu peur de vouloir planter de la blette. Vous imaginez là le sol tassé par les passages, etc. Par l'irrigation aussi quand même sur la toile au fur et à mesure. Et sec, et on veut poser des mottes là-dedans. Donc ça n'avait pas du tout cette gueule-là. Mais je l'ai fait. Mon associé n'était pas là. Je l'ai fait, je me suis dit, bon, comme ça, on saura si on peut le faire par la suite ou pas. Donc on a planté, j'ai planté les 4 grandes blettes là, ça fait la planche entière. Au début, ça faisait peur, donc j'ai bien veillé à ce que la motte reste humide, comme je disais, arrosage fréquent et faible, mais très fréquent, motte reste humide. Et au bout d'un moment, tu voyais quand même que ça s'enracinait. Et après, on a eu pas mal de levées, donc j'ai passé de la binette, une fois déjà. Et maintenant, le sol, on donne l'impression d'avoir été travaillé, etc. Mais en fait, il a juste été biné à 2 cm. Mais il s'est fait. Là, je pense que la culture est partie, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, on va continuer à maintenir un enherbement faible, surtout entre les rangs, parce qu'on va faire des semis de radibottes en début d'année, entre les rangs de blettes. Sous tunnel, on intercale très fréquemment les radis roses, les cycles rapides, entre des rangs d'autres légumes. Les persils là, les plus développés, qui sont à moitié sous le voile encore, ceux-là ont été plantés en direct aussi sans travail, mais les persils, les 3 rangs plus petits, là le cerfeuil, persil, etc. Là, il y a eu de la binette, passage de binette avant. On a voulu comparer les deux itinéraires. Soit on plante en direct, on ne fait rien, ou alors on passe d'abord la binette et on plante après. Mais du coup, ça s'enherbe beaucoup plus vite. Donc l'an prochain, sur ces cultures-là, les aromatiques, on pourrait tout à fait imaginer un film plastique, quoi. Est-ce que vous avez déjà envisagé de broyer les tomates et d'utiliser comme paillage? Oui, oui, enfin on n'a pas envisagé, mais ça paillerait pas grand chose parce que broyer, ça ferait pas quelque chose de très épais. Ouais, si tu voulais pailler, il faudrait laisser comme ça. Ouais. En plein. Ouais. Donc on a la planche de blettes, là on a aromatique pour pied au fond derrière le persil. Là ce sera de l'ail frais pour l'hiver. Tu le mets quand du coup l'ail frais? En décembre. Généralement on essayait de le faire assez tôt, donc là, maintenant. Ouais, ouais. Autour du 10 décembre, et l'an dernier on était à la bourre et on l'a fait le 23 ou le 24.
Et ça a été très bien aussi. Donc on n'est pas pressé en fait, ça va. Donc la planche là, comme je disais avant, c'est 8 rangs et ça fait 20 kg de semences, 20 kg de cailloux pour une planche. Ouais. Ah, tu plantes dense là. On plante dense, bah 8 rangs et je sais pas, 8-10 cm entre sur le rang. C'est dense hein, et ça fonctionne très bien sur paillage plastique. Ouais, ça on a validé. Un petit détail au moment de la construction des tunnels, parce que souvent se pose la problématique du désherbage des bords de tunnels. Nous, sous les entretoises qui sont couchées au sol, vous le voyez, on a une toile tissée. Donc en fait, sous l'entretoise, on a posé une toile tissée qui limite l'enherbement en fait entre la bavette extérieure et l'entretoise. Voilà, donc on a très peu de choses qui passent à cet endroit-là, quoi. Sinon, c'est un peu la galère toujours pour désherber ça. Ça, c'est une petite technique là. Au montage, on rajoute une toile tissée. Est-ce que ça serait possible de descendre tous les pieds de tomates, et puis de les laisser au sol, et puis de recouvrir avec un peu de foin avec, Ouais. Il y a paille et paille, hein. Il y a foin et foin aussi. Si tu as de la graine dedans et tout. Tu éviteras de désherber ce qui lève du sol, mais tu auras le droit de désherber ce que la paille ou le foin a ramené. Voilà, donc après, les gars en agriculture de conservation, ils développent comment t'appelles ça là, les trucs là, les récupérateurs de menu paille et tout ça derrière la moisse batte, pour éviter que la paille soit entre guillemets polluée par de la graine. Donc c'est ça, hein, c'est pour ça aussi qu'on ne paille pas tant que ça nous, parce qu'après les petites graines, les semis, les trucs, c'est d'autres techniques. Nous on a d'autres semoirs qui fonctionnent bien dans des paillages faibles, ouais. Faible épaisseur, donc on est là-dessus, je veux dire. Mais oui, ce que tu dis est cohérent, mais alors après il faudra changer le mode de semis des radis. Ouais, il faudra... on se retrouve dans du semis plus espacé, quoi, hein, s'il faut écarter le... Bah, c'est ça, bon après pour la blette ça ne posera aucun problème. Si après je veux continuer avec un radis, ben, là j'aurais plutôt tendance à partir sur du semis à la volée. Et après j'aère, et après j'arrose pour que la graine elle tombe, tu vois. Donc là ce serait technique semi à la volée du radis. C'est encore une chose en semi plus. Semi à la volée sur un paillage et puis tu espères qu'elle va tomber. Elle tombera. Tu secoues. Tu secoues, tu arroses. Tu peux, tu simplement t'es à deux, tu passes une chaîne dessus et ça, la graine elle tombe. Hein. Ça c'est des trucs tout simples, on le sait. Hein. Une graine elle se faufile quand il y a du mouvement. Puis, les mulets font comme ça. Main, ouais. Ça va vite, hein. Moi, j'ai déjà fait de remuer comme ça et ça passe vite en dessous. Donc tu vois là, on est en train déjà de... On peut construire moult itinéraires en fait. Et c'est ça qui est génial parce que là, tu me rajoutes des outils dans ma boîte. Ah ben pourquoi t'avais mis pas un paillage? Ben ouais, si je mettais un paillage, mais alors après, ben technique à la volée, tac. Donc... Oui, les cultures suivantes ne correspondent pas. Il faut voir ça à l'ensemble de l'année au moins sous tunnel, je dirais, de la rotation sur l'année. Parce que ton paillage, c'est bien pour la blette, mais la suite, comment tu construis la suite? Il faut tout le temps construire la culture d'avant, d'après, etc., etc. Voilà. Mais c'est chouette, hein, tu vois, il y a tout un panel de possibilités. Hein. Ça, c'est bien. Ça j'aime bien. Là. On n'est jamais bloqué, en fait. Si on ne peut pas semer, semoir, bah, tac, tu pars sur une volée, semis à la volée. Nous, on a des... Voilà, maintenant, j'arrive à... Comme tu parles du semoir, j'en profite. Les semis de grosses graines, parce que la volée... ou le semoir qu'on a vu, c'est bien pour les petites graines. Comment tu fais des semi-grosses graines quand tu as ton foin, quand tu as de la paille, machin, ou même quand tu as un film, on n'en a pas là, quand tu as un paillage plastique comme à côté, nous on peut tout à fait faire du semi là-dedans. On a une canne semeuse, enfin on en a deux, et les haricots maintenant. Ça aussi, à mon avis, c'était une problématique, le haricot que j'ai présenté avant, qui était mélangé avec les autres cultures. Il a été semé au Terradonis, à faible profondeur. Et c'est pas top, tu vois, pour une grosse graine. Il était vraiment dans les deux premiers centimètres. Après, une autre série de haricots RAM qui a très bien marché, on verra les restes dans le dernier tunnel. Là, ça a été semé après carottes primeur sur butte. Donc il y avait deux buttes de carottes par planche. On a fini de récolter les bottes. On a un peu scalpé, sommé de la butte. Et j'ai semé, c'était plein cagnard là, c'était difficile. J'ai semé le haricot à la canne semeuse, donc là tu sèmes quand même à 8 cm. Canne semeuse, vous connaissez? Non, je ne connais pas. Donc là, le modèle que moi j'ai, c'est une Fitarelli, c'est un modèle brésilien.
On avait la chance que on a dans le réseau, on a Ulrich Schreier qui voyage beaucoup et il a ramené d'Amérique du Sud un stock de canne semeuse. Donc c'est un outil très rustique. Hein. Vous tapez canne semeuse ou plantadeira là en portugais, fitarelli, vous verrez les photos sur internet parce que je ne l'ai pas là. C'est une canne semeuse, donc c'est deux bras comme ça avec des poignets. Et le mouvement que tu fais, c'est ça. Et en bas, tu as des... Donc c'est en bois. Et en bas, tu as un cône, une pointe métallique qui peut s'ouvrir en fait. Donc il faut que je réfléchisse toujours. Et tu as les trémies. Moi j'ai deux trémies, une pour l'engrais, parce que tu peux faire de la fertilité localisée. Tu as une trémie engrais, une trémie graine. Donc tu as des réglages hein, assez fins pour réguler la densité de graines. En fait, c'est bien pour du semis en poquet. Donc combien de graines tu laisses tomber par poquet, ça tu peux assez bien régler. Et la quantité d'engrais, le nombre de bouchons que tu veux mettre par poquet aussi. Et ensuite, tu l'enfonces dans ton sol et quand c'est enfoncé, tu rapproches les poignets. Et là, le mouvement ouvre en bas et dépose. Et donc là, tu remontes. En remontant, tu refais ça, ça tombe au fond. Tu enfonces, tu rapproches, ça ouvre en bas. Clac, clac, comme ça t'avances et ça va très vite, ça va très vite. Et donc là on avait réglé poké de haricots, 3-4 graines par poké, magnifique. Voilà. Et ça tu peux tout à fait imaginer à travailler un paillage plastique. Tu vois, tu perces le paillage en même temps ou alors tu perces ton foin, ta paille et ça ira. Pour de la grosse graine, ça ira très bien. Donc on a déjà fait des essais en courge aussi. Courge, on est plutôt en ce moment sur de la plantation. On fait les plants et on plante à travers la toile tissée. Mais c'est un temps aussi. On va plutôt revenir trouver comment bien faire pour revenir sur du semis. Continue. Troisième tunnel. Donc ça, c'est notre dernier tunnel construit, fini pour ce printemps. Au niveau historique tunnel, donc le premier, là on était avant pour les tomates, il était prêt pour l'hiver 2013. Le deuxième du milieu, il a accueilli les tomates l'an dernier, donc il avait été prêt pour fin d'hiver 2014. Et celui-là était prêt pour ce printemps. Donc là maintenant, comme dit, je peux vraiment vous parler de nos essais, de nos trucs sous tunnel, parce qu'on est à l'aise en surface, on peut tester pas mal de choses. Avant, on travaillait le sol aussi pour pouvoir implanter, entre guillemets, on n'avait pas d'autre solution pour implanter plus rapidement des cultures après des récoltes, la culture précédente. On travaillait le sol, hein, on utilisait une motobineuse, une fraise, pour réaffiner le sol et replanter, parce qu'il fallait que ça aille vite. Maintenant, on a plus de latitude et du coup, notre meilleure préparation avant plantation, c'est de l'occultation. Ça prend plus de temps, mais on a la place pour le faire. Et derrière, on gagne du temps d'désherbage, de la qualité de sol, etc. La culture se porte mieux, etc. Voilà. Donc là, comme c'est maintenant la première année qu'on a pu le cultiver celui-là, il n'y avait pas beaucoup de culture, il n'était pas plein du tout fin de printemps-été, ben on a pu faire du mesclun très précoce. Sous la première planche là, de mesclun, il y avait des tomates qu'on n'a pas tuteurées. On pensait faire des tomates sauce et avec, etc. C'est variété cœur de bœuf, non. Et c'était pas mal. Hein. Donc elle était conduite sur 3-4 brins non tuteurés. Ça courait, ça commençait à produire. Mais en fait, on l'a détruit quand même parce qu'on avait tellement de tomates dans le premier que nos tomates pour les sauces, on les trouvait là-bas. Et on a préféré détruire cette planche de tomates-là. C'était des plants qu'on avait fait nous-mêmes, etc. C'était pas bien dramatique. Donc on a occulté... comment ça s'est passé? Non, pardon, j'ai coupé les pieds. Ils étaient déjà plantés dans la... Oui. Ils étaient déjà plantés dans le film plastique, donc j'ai coupé les pieds comme ce qu'on a vu auparavant. Il reste encore quelques résidus, je pense. Et on a planté le mesclun à travers. Donc c'était un mesclun qu'on a pu cette année planter très précocement. Je ne sais pas si on y arrivera les années suivantes avec nos nouveaux plans de culture. Et on a pu commencer du coup à récolter du mesclun fin août. Là, la première planche, elle est en troisième coupe. Là. Voilà. Et entre-temps, on a planté la deuxième qui est aussi maintenant en récolte. Donc on est relativement content. On fait une quinzaine de variétés différentes, ça fait des beaux mélanges, c'est très très apprécié. Donc là je vais parler du haricot.
dont j'ai déjà parlé avant. Hein, on a suspendu les résidus pour faire sécher les dernières gousses, récolter un peu de graines. Sur le haricot, là, on est autonome en semences. Et donc la planche où il y avait le haricot, c'est celle qui est sous la toile en occultation. On avait semé aussi du navet blanc entre les rangs de haricots, etc. Il y avait un peu d'enherbement, donc tout ça c'est en train de se décomposer pour la culture suivante. Et je voulais juste faire un zoom. On m'a posé une question en sortant du tunnel là-bas sur la plantation des mottes simplement posées. Ça aussi, c'est Danny Schmidt qui m'a apporté la connaissance du bon stade de plantation des mottes, surtout quand tu ne les enfouis pas du tout. On s'en fout du feuillage, en fait. Le bon stade pour planter une motte, c'est pas l'observation du feuillage qui nous le donne. Tu peux le faire, là, tu nous cherches une plaque de mâche, là. Il faut soulever la plaque, regarder en dessous si les racines commencent à sortir. Les racines commencent à sortir sous la motte. Ça commence, là, il faut la planter. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de rupture racinaire. Si ça commence à sortir, il faut qu'elle continue à se développer, qu'il n'y ait pas de rupture, que la racine ne soit pas stressée. Donc en fait, il faut regarder sous la plaque. Ou si vous êtes en motte pressée, il faut regarder sous les mottes. Ouais. Et à la récolte, vachement pratique. Quoi. C'est plus propre. Ouais, c'est facile, hein. Et ça va mieux. Ouais, c'est facile. Quoi. Donc voilà, une fois que tu l'as fait, tu vois que des intérêts à poser en fait. Il faut essayer. Et ouais, puis rapidité. Hein, hein. Ah bah même à la plantation, ouais. Mais oui, mais la plante elle se débrouille. Tu verras, essaye. Voilà. Et après, il faut gérer l'arrosage au départ pour l'enracinement. Donc là, maintenant, on s'en fout. Hein. Maintenant, c'est humide, et l'air est humide aussi. C'est pas que on se rend compte aussi que c'est pas l'humidité du sol. Hein. C'est surtout l'ambiance. L'humidité atmosphérique, etc. Maintenant, voilà, maintenant c'est facile. En été, on rigole moins, quoi. En été, d'ailleurs, on a plutôt tendance à enfouir légèrement. Quand même. Pour être plus dans l'humide, sécuriser le truc. Ouais. Et là, après les salades, alors tu vas nouveau occulter dans cette Ok, partie. Donc là, cette partie-là, je vais refaire l'historique, ouais. Ça a été un BRF. Comme dit, on avait de la place au printemps, donc on avait une équipe, là... des collègues, là ça va, qui a pu passer une journée ici, visiter la ferme, puis on a fait un chantier de broyage et d'épandage de bois de saule broyé. Un amapéen nous a donné son broyeur, merci. Donc c'est énormément de temps, tu passes un temps dingue à broyer, tu pars d'un volume de branches, tu te dis ça va être génial, puis réduit, broyé, il n'y a plus rien. Enfin bon, c'est pas intéressant de faire son BRF soi-même au niveau du temps et de l'énergie que tu passes. Et donc ensuite, on a épandu 15 cm de broyat sur les deux planches ici. Et on avait planté de la courgette précoce qui a complètement cramé, elle a été bouffée, elle a été sous pellicette, mais elle a pris un petit coup de gel qui n'a pas aidé. Et la fin d'azote, histoire du BRF, bon, c'était extrême notre truc, et voilà. Et ensuite, donc, on a laissé, on n'a plus rien mis, on avait posé une toile, on avait mis nos plants pour faire pépinière, et après on a commencé à mettre nos plants ailleurs, et on a donc des plants de laitue là qu'on a plantés, en même temps que ceux qui étaient à côté, tu vois. Et donc à côté, ils sont récoltés, ils étaient quand même plus développés, et là ça patine. Donc... dans un sol qui est pauvre ou mort ou je sais pas comment dire au départ, ben le BRF il met du temps à remobiliser tout le truc. Donc il y a les vers de terre là qui commencent à remonter, ils commencent à ingérer, à remélanger ça, et le chien d'an il perce. Voilà. Et donc quand on va sortir après, je vous parlerai un peu de la gestion des ravageurs, notamment l'altise ou le doryphore, on sait les maîtriser. Et là, comme on est devant du chien d'an, ben je vais faire mon petit quart d'heure chien d'an. Parce que j'en ai parlé avant sans être très précis. Donc quand on partait des prairies, nos prairies dégradées, c'était principalement du chien d'an, la graminée qui était présente. Et donc le chien d'an, hein, ce qui est caractéristique et souvent chiant quand on veut travailler le sol ou l'éradiquer, c'est son système racinaire sous forme de rhizome, qui font un bloc assez compact dans les 10 premiers centimètres de surface.
et qui reviennent. Donc l'histoire quand tu travailles le sol, c'est de travailler le sol en plein cagnard pour remonter les racines, les faire sécher, etc. etc. Donc ça, c'est pas nos concepts, mais ça fonctionne. Il faut juste avoir le sol libre en été, c'est une autre question. Nous, on l'occulte. Et donc, on a observé les occultations de prairies dégradées à base de chiens dents. En 8 semaines, c'est bon. On a le résultat que je donnais, sol humide, on peut planter, on peut poser les mottes. On a fait des Batavia en 2012, plantation mi-juin, récolte début août, mi-août. Des grosses belles Batavia, les plus belles de l'année, sans arrosage, sans rien faire, sans travailler le sol, sur un couvert desséché de chiens dents. Et donc on a obtenu des bonnes conditions grâce aux chiens dents. Là on s'est dit, tiens, si on arrive même à valoriser d'une manière comme ça le chien dent, on va changer notre regard sur le truc. Et l'intérêt du chien dent, c'est qu'il est quand même très résistant. Donc après, en deuxième partie de culture, là, tu le vois, il revient. Donc là, il est trop concurrentiel, on est d'accord. Mais s'il revient beaucoup plus lentement, on a des cas un peu de plus en plein champ là, observables, on peut arriver à s'en servir comme couvert végétal permanent, occulté, pour permettre l'implantation de la culture, et que les rhizomes résistants reviennent en deuxième partie de culture, moins concurrentielle, qui nous fassent nouveau un couvert. Et Miguel No, là, hier, était là en visite, et c'est lui qui m'a massacré mon sol, il m'a fait un trou. Mais c'était surtout pour observer les racines de chien dent. J'ai la bêche dans la voiture, on peut refaire. Le chien dent, donc en fait, dans un sol qui n'est pas structuré par sa composition, les sables, c'est des plantes, telles le chien dent, telles l'Achillée millefeuille, etc., qu'on retrouve beaucoup dans les sols sablonneux, dans les sols acides. Ce sont les rhizomes, ce sont les systèmes racinaires de ces cultures-là qui nous structurent la surface du sol, qui font un matelas, en fait, qui limite la compaction liée aux pluies, liée aux événements climatiques, etc. Et donc, ce système racinaire, ce que m'a appris Miguel No hier, c'est qu'il concentre aussi ce qu'on a très peu, nous, c'est le calcium. On a très peu de calcium, mais le système racinaire superficiel du chien dent concentre ce calcium en surface. Il a dit au bout de 8-10 ans, le calcium présent dans ton horizon de sol qui a pu être lessivé, etc., le système racinaire chien dent va concentrer ce calcium en surface et donc va être bénéfique pour tes légumes aussi. Donc il a dit, si tu veux accélérer le processus, tu as tout intérêt à rapporter des carbonates de calcium, etc., ça va te le faire en 2-3 ans, dégradation plus rapide, mais le chien dent, lui, fait ça en 8-10 ans. C'est pour ça que nous, on a actuellement du chien dent. Si au bout de 8-10 ans, il a fini ce boulot-là, on passera sans doute à une autre flore spontanée majoritaire, quoi. Mais nous, le chien dent, il y aura une évolution de la flore. Maintenant, au bout de 8-10 ans, donc on n'y est pas, tu vois. Mais nous, on est dans la grosse période chien dent, et donc l'idée, c'est de le valoriser en couvert spontané permanent. Tu peux pas. Faut faire autrement. Ouais. Donc l'occultation, c'est tout un art. Je veux dire, c'est pas tu poses une toile. C'est sur quelle durée. Est-ce que si tu veux accélérer l'occultation, tu couches ton couvert avant. On a aussi testé en 2012 de griffer. On a un strip-till, donc du travail localisé, 3 rangs par planche. Et on voulait accélérer une occultation, on s'est dit si on passe le strip-till, si on oxygène le sol, on commence déjà un peu à dégrader le système racinaire, etc. Donc on a fait un passage de strip-till dans un couvert de chien dent bien développé, stade fenaison de chien dent. Et donc passage strip-till, occultation toile tissée, là on a réduit le temps d'occultation très performante à 6 semaines. Au bout de 6 semaines après occultation, 90% du sol était nu. Très dégradé. Donc on peut accélérer une dégradation de couvert par un travail préalable. T'en as trois des strip-till alors, tu les tires derrière un truc ou tu les... On a un strip-till 3 rangs. Ouais. Et on le... Il est pas là. Non, on l'utilise plus. Le strip-till, c'est intéressant. 6000 euros. On l'utilise beaucoup au début. On comprend plein de choses. On comprend comment favoriser les levées, comment le travail... Comment tout en travaillant le sol, on peut diminuer ou ne pas favoriser, je dirais, les levées d'adventices. Ça, c'était notre effet strip-till. Comment réchauffer le sol au printemps, jusque quand l'utiliser, ce que je vous ai raconté avant, mes expériences, quand je peux vous donner maintenant des dates, tout ça, c'est aussi grâce au strip-till. Donc le strip-till, dans notre démarche, a été très intéressant, très utile. Maintenant, on ne l'utilise plus parce qu'on a dépassé. Et puis, en fait, comme on travaille moins les sols, etc., maintenant, on va réserver le strip-till au sol lourd. C'est-à-dire que les sols lourds, ils réchauffent beaucoup plus lentement, mais on fait aussi des cultures de printemps dedans.
On a un hectare de sol plus lourd. Et du coup, là, l'idée, c'est de passer le strip-till déjà à l'automne. C'est maintenant un peu tard, mais en octobre plutôt. Et d'affiner, de faire un pré-affinage, une préparation pour le printemps. Pour que ça se réchauffe plus rapidement au printemps. Mon fournisseur de strip-till, il m'a dit, le seul intérêt de travailler le sol, il radote un peu, je parle comme ça, c'est de le réchauffer. Il n'y a aucun autre intérêt à travailler le sol. Donc quand tu entends ça, tu dis... prend plein dans la gueule et ça te fait réfléchir et il n'a pas tort. C'est radical, il y a des questions de campagnole, etc. aussi, mais il a raison. Je veux dire, travailler le sol, avant tout, c'est réchauffer. Il y a des périodes où c'est complètement débile de travailler un sol. Parce que ça n'apporte strictement rien. Tu as l'impression, il est où mon gars là, de faire un bon lit de semences ou de plantation, mais la plante, elle s'en fout de ça, tu vois. Travailler le sol ne sert pas à faire une belle motte ou un beau lit de semences, c'est débile. Là, tu peux le faire autrement. Mais par contre, réchauffer le sol pour le printemps, là, je suis d'accord. Qu'il se remplisse d'air et qu'il évacue l'humidité. En fait, voilà, c'est jouer sur les conditions température, pardon, humidité. Et le strip-till, là, il est efficace. Donc le strip-till, hein, je ne l'ai pas ici, je ne peux pas vous le montrer, mais je peux très bien vous le décrire. Il y a quatre éléments par rang. Un disque ouvreur, une dent, type sous-soleuse, mais qui travaille jusqu'à 15-20 cm sur le rang. Des chasses débris, juste devant la dent pour écarter ce qui pourrait faire bourrer la dent. Quoi. Et à l'arrière, vous avez des disques, moi je les ai mis là, vous avez des disques bionneurs. Vous pouvez jouer sur l'angle pour faire plus ou moins des billons plus ou moins élevés, plus ou moins écartés, etc. Et donc, c'est un appareil grande culture. Généralement, on travaille ça pour des monograines, là, des écartements importants, maïs, betterave, etc. etc. Donc, c'est des écartements importants, 70-80. Moi, je lui ai dit à Walter Hegué, fournisseur à Grissaire, moi, je veux un strip-till 45, légumes. Il me regarde, l'élément, il ne passera jamais. C'est tellement large, c'est tellement gros. Du coup, on a dû déporter, on a fait deux barres d'attelage. Sur la première barre, il y a les deux éléments extrêmes attaché et on a fait une barre arrière pour déporter le troisième rang qui est plus à l'arrière, donc ça fait un outil très long avec un porte-à-faux important, mais c'était le seul moyen de placer trois rangs. Et c'est un outil lourd, hein, donc il pénètre bien. Il sert à préparer ton lit de semence, après tu passes avec un semoir. C'est ça, ou tu plantes. Voilà, et donc ce qui est très intéressant, c'est que tu le passes, mais tu n'as pas le même travail. T'as vraiment les trois rangs qui sont très travaillés. Et entre, c'est gratouillé. Juste par au bord du rang, par les chasses débris. Et plus largement derrière, par les bionneurs qui ont ramené la terre. Et donc, ce qui a été intéressant, c'est d'observer que les levées ne se font pas pareil. Quoi. Tu as tendance à concentrer les levées sur le rang. Donc, c'est tout à fait adapté à un itinéraire où derrière, tu ferais du désherbage thermique pour un semis, etc. etc. Les doigts cressent pour de la plantation. Là, ce serait nickel. Parce que les interrangs, en fait, tu provoques une levée de kénopodes tous les 10 mètres. Quoi. Tu as tellement peu bouleversé le sol. Hein, ça rejoint mon histoire d'occultation qui bouleverse pas les sols. Tu provoques pas de levée. Et donc c'est un outil, travail du sol, je peux le dire, hein, on a essayé pendant 2 ans de manière intensive, dans toutes les conditions, dans les sables, dans les différents degrés d'humidité, différentes saisons, machin, on a un peu tout fait, à tort et à travers, on n'a jamais eu d'explosion. Hein. Voilà. Donc, Tu le revends, quoi. Non, pièce de musée. Les altises. Les altises apprécient les conditions chaudes et sèches, ouais, d'accord, aussi bien atmosphérique que dans le sol. Dans son cycle, les adultes pondent dans la surface de sol, le premier centimètre. Alors, ça je ne sais pas par contre, s'ils pondent pas quand c'est humide, ou s'ils pondent dans tous les cas, et c'est les œufs qui n'éclosent pas en conditions humides, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, quand le sol est humide et donc plus frais en surface, hein, tu n'as pas de problème d'altise. Faut arroser le matin à la fraîche. Faut couvrir tes sols. Ouais, mais tu vois, même avec des sols couverts. Bon, après, nous, c'est du compost de déchets, ça se dessèche. Ça dessèche. Ouais. Le problème, c'est l'humidité. Enfin, c'est pas le problème, c'est la solution. Faut que ça reste humide. Et tu vois, il y avait une planche qui était contre une haie, juste au nord d'une haie très dense, avec une partie sans haie.
La partie sans a été attaquée et la partie derrière. Là, voilà. Donc là, t'as toute la réponse. C'est flagrant. Et donc l'altise, moi, c'est intéressant comme sujet d'étude parce que là, on a tout dit. Hein. Je vous ai... Maintenant, les recettes, à vous de les fabriquer, mais les conditions, on les a là. En 30 secondes, on a tout dit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, les altises, c'est pas un problème de rotation. C'est pas parce que j'avais un chou altisé l'an dernier que là, mon navet de cette année, il va merder. C'est pas ça, c'est pas la rotation, l'outil, là. Et donc, il faut repositionner le... Il est beau, hein. Il faut repositionner la rotation aussi comme un outil dans ma boîte à outils globale. Il y a des... S'il vous plaît, il y a des sujets sur lesquels... il y a des sujets comme l'altise sur lesquels la rotation n'est pas la solution. Tu vois ? Les ravageurs comme l'altise, la solution, c'est les conditions de sol, de surface. C'est tout. Et donc, moi, on remarque que la rotation, en fait, quand on a d'autres solutions pour gérer tel ou tel ravageur, parce que la rotation reste intéressante, mais après, il y a l'arrosage, il y a les conditions de l'humidité à respecter, ben, la rotation, au bout d'un moment, tu peux te prendre des libertés. Sur les crucifères, notamment, nous, on n'est plus très, très strict, quoi. Hein. Voilà. Parce qu'on a, y a des problématiques résolues. Les crucifères, c'est la famille chez nous qui répond le mieux en termes d'enracinement, en termes de je vais chercher loin ma fertilisation dans des sols non travaillés mais humides. On a fait des trucs extrêmes. Ça, c'est un itinéraire intéressant. Prairie, bonne prairie, prairie sol vivant. L'éleveur a fauché, il a fané, il a récolté son foin au 15 juin, c'était une année précoce, au 15 juin la parcelle était libre, hein, les runebalaires étaient enlevés, donc il ne restait pas grand chose parce qu'il avait fauché ras, etc. Donc on a occulté au mi-juin le couvert de prairie, et six semaines plus tard, début août, on a semé nos radis d'hiver, nos navets d'hiver là-dedans. Mais là, par contre, il y avait, pour ceux qui disent que je n'ai pas assez de paillage, j'en avais encore moins parce que on n'avait même pas couché d'herbe, ça avait été récolté. Donc, il y avait quasi sol nu, quoi. Mais par contre, effet prairie, structuration prairie, humidité surfacique de prairie, etc. Donc, des navets phénoménaux, des beaux calibres, hein, moyenne. Et ce qui était très impressionnant en termes d'enracinement, c'était un pivot qui n'en finissait pas. On sortait des pivots de 40, 50, 60, verticaux parfaits, tu vois. Dans un sol quand même compacté, tu voyais en surface, dans des endroits, on a fait vraiment des trucs extrêmes. Il y avait des endroits où tu voyais les passages de la remorque de récolte des runebalaires, en conditions humides, qui avaient quand même compacté la surface, quoi. On a semé aussi, on a suivi la roue. Et ben là-dedans, c'était pareil, ça a marché. Les crucifères, ils s'en foutent. Hein. Ils percent, leur pivot, il s'est percé. Ce qui m'emmerde un peu moins, c'est le pivot des variétés récentes de carottes qui est pas perforateur, quoi. Tu vois. Mais par contre, il y a des variétés, là, des espèces qui perforent à fond. Et dans les crucifères, on s'amuse, quoi. Hein. Les radis chinois... On les plante comme couverts végétaux et on récolte les plus beaux. Alors tout le monde dit « Ah, ils sont super tes radis !»« Ouais, mais c'est un couvert végétal là que je vous mets dans le panier. » Et puis ceux que tu n'as pas besoin, les plus moches, machin, ben, ils nous perforent notre sol, ils nous préparent notre aération de sol, notre structuration de sol en année N-1, quoi. Tu le laisses dedans, hein. Tu le laisses, ça pourrit, ça gèle, ça ci, ça. Et puis derrière, Steve Groff, l'an dernier en formation, la culture qui pétait derrière un radis chinois, c'était l'épinard. Semi-direct d'épinard derrière radis chinois, bon, dans ces conditions, etc. Nous, cette année, on a eu un printemps qui n'était pas favorable, ça n'a pas été performant. Mais d'après lui, dans ses essais, l'épinard, elle, c'est super bien derrière radis chinois. Donc ça, c'est une piste à creuser. Donc les crucifères, notre problématique crucifère où ça représente 40% de notre surface développée, donc tu dis putain ma rotation, machin, là, ben en fait maintenant c'est plus un problème, on a contourné le problème et on les utilise à chaque fois. Les radis roses, on les intercale, les radis chinois c'est un couvert végétal, les navets, les radis pour l'hiver on ne les fait que en semi-sous-couvert, etc. Sauf cette année on s'est permis cette année, pour finir sur le dossier Altise, les radis et les navets, comme on n'a pas semé de couvert, là je vous disais avant, on avait des surfaces libres. Et du coup, on a fait des essais intéressants. Il y a des sols
on les a tous travaillés à la fraise. Et il y en a certains, on a semé dans la foulée. Et d'autres, on a attendu 3-4 semaines pour semer. Et ben, et c'était, si vous voulez, ce qui était semé dans la foulée, c'était ici. Et ce qui était semé 3 semaines après, c'était là, à 10 mètres. Donc c'était les mêmes conditions, etc. Et ben, les navets semés dans la foulée n'ont jamais eu de feuilles potables, altis à mort. Les navets semés 3 semaines après travail du sol étaient les plus beaux navets de cette année. Ok, voilà. Donc un sol pendant 3 semaines après travail du sol, ben les mottes elles s'humidifient quand même, elles bougent, il y a eu de la pluie, etc. Donc l'effet oxygénation, aération importante par le travail du sol, c'est déjà un peu dispersé, tu vois, mais t'as quand même provoqué de la minéralisation dans le sol, donc de la bouffe qui s'est, surtout en automne où tu as un autre pic de minéralisation avec de la pluie, etc. Ben ce pic-là, on l'a eu quand même, donc de la bouffe dans le sol, il y en avait. Mais quand c'est trop aéré, en fait, hein, trop fraîchement travaillé, ben l'altise, elle s'y plaît bien. Ben, je ne sais pas l'expliquer mieux que ça, mais je l'observe, parce que là, cette année, on a pu le faire. Et donc, travailler le sol par rapport à l'altise, si on est en itinéraire travail du sol, hein, moi, je suis pas fondamentalement contre, mais alors, il faut travailler le sol en amont. Et donc ça, c'est compliqué, quoi, je veux dire, organiser ça 3 semaines à l'avance, que ça reste propre, etc. C'est ingérable, mais tu comprends le fonctionnement de l'altise, quoi. Travailler le sol et planter ou semer du crucifère, c'est bon pour l'altise. Voilà. On peut faire un petit zoom sur le Dorifor aussi, parce que là, il y a des essais qui ont été menés. Hein. En Allemagne, il y en a aussi en Alsace, certains qui maintenant plantent la pomme de terre classiquement. Et ensuite, ils font un chantier d'ensilage et ils épandent de la luzerne sur 40 cm sur les buttes de pommes de terre plantées. Sur 40 cm d'épaisseur. Oui, 30-40 cm de luzerne fraîche. Il faut 5 hectares de luzerne pour 1 hectare de patates, etc. etc. Dans ces techniques-là, tu n'as pas de dorifor. En Allemagne, à un moment, l'épandeur, il a merdé sur quelques mètres. Là, il n'y a pas eu d'épandage. Eh ben, si ici, c'est épandu, ben, c'est des photos que vous retrouvez chez Ulrich Schreier, hein, sur Ecodyne. Il nous les a déjà montrées l'an dernier. C'était pas un parage d'épandage, c'était les passages de roues. Ou les passages de roues, là où c'était plus tassé, moins épandu, etc. Ecodyne. Eh ben, là où, en tout cas, il n'y a pas de paillage, tu as du dorifor. Et là où il y a du paillage, tu n'as pas de dorifor. Et de manière nette, quoi, hein, la coupure est nette. Plan dorifor, plan pas de dorifor, et à l'autre bout pareil. Les pommes de terre, il les a mis dans une butte déjà. Ils étaient déjà. Il a pas juste mis sur le sol et il a mis son paillage par-dessus. Buté, planté dans la butte. Ouais, buté à la plantation. Voilà. Donc là, c'est pareil, tu peux te poser des questions. Dorifor, c'est quoi les conditions, etc. Donc c'est un adulte qui hiverne dans le sol et qui sort en fin d'hiver, printemps, à un moment où tu as une somme de température qui lui est favorable pour qu'il sorte du sol et qu'il se reproduise et qu'il ponde. Okay. Si c'est couvert, là, il s'est retrouvé sous la luzerne. Voilà, donc s'il est dans un couvert, le sol va réchauffer beaucoup plus lentement, va rester plus humide, parce que lui aussi, c'est les conditions de sol, c'est la température, mais c'est l'humidité toujours aussi, donc les conditions humides sont défavorables. Hein. Quand il pleut en partie aérienne pomme de terre, tu ne vois pas de dorifor, quoi. Adulte, hein. Quand il fait sec, ils sont là à fond, voilà. Donc c'est un peu ça, et donc le maintien du sol frais, humide, etc. inhibe complètement son développement. Tu l'auras aussi parfois dans les cultures, mais plus tardivement. Et donc si en plus tu plantes des variétés précoces, c'est-à-dire avec des cycles 90-95 jours au lieu de 120 jours, et ben la pomme de terre, elle a fait la majeure partie de son cycle quand les premières feuilles sont attaquées, quoi. Ça, c'est un peu la logique. Est-ce que ça amène des problèmes de lumière ou pas? Oui, ouais, les techniques où tu maintiens de l'humidité en général. Hein. Ouais. Donc là, on utilise des petits granulés bleus. Et puis, effectivement, il faut reconstruire aussi le système pour que les ravageurs puissent s'implanter, etc. Les limaces, il faut aller plus loin, c'est pareil, il faut déterminer pourquoi elle attaque tes jeunes pousses à un moment donné, etc. La limace, qu'elle apprécie vraiment de consommer, c'est des feuilles qui sont
qui commence à se décomposer, qui commence à pourrir. Tu vois, c'est la feuille fraîche, la jeune pousse, machin, c'est pas son dessert favori, quoi. Mais elle bouffe ça quand elle a plus rien d'autre à bouffer. Et en fait, pour aller plus loin sur la limace, quand elles sont vraiment, comment tu dis ça, quand elles pullulent, quand toutes les pontes sont là, quand tes plants sont bouffés à mort et tout, c'est qu'elles ne sont pas concurrencées par d'autres êtres vivants qui bouffent, qui seraient intéressés par bouffer des trucs qui commencent à se décomposer, c'est-à-dire certains champignons. Ton sol, il manque de manière homogène à l'année de bouffe pour les champignons, donc eux, ils n'arrivent pas à survivre, la limace arrive à survivre mieux. Donc le champignon, les populations de champignons, elles font des pics, et quand elles sont en plein crash, ben là, la limace, elle a le terrain favorable. Et donc là, ça explose. Mais si les champignons peuvent être maintenus, et ça c'est l'intérêt de ce type de truc, hein, de paillage, si les champignons peuvent être maintenus de manière assez homogène à l'année, alors ça variera moins, ce sera plus linéaire, ben la limace va être contenue parce que la place est prise aussi. Voilà. Des questions? Sinon on va passer au Rolofaca, il est midi là. Allez hop, Rolofaca. Rouleau faca, donc faca veut dire écraser en brésilien. On est parti d'un rouleau lisse là qui sert à mettre du poids sur les semis, hein, pour établir bien le contact sol-graine, là, notamment quand les sols sont secs. Donc on a récupéré ce rouleau lisse qui faisait 3 mètres. En fait, c'était deux rouleaux côte à côte dans le même axe. On a mis un angle d'attaque là, différent dans le fer plat. Il n'est pas perpendiculaire au rouleau. Et on peut attacher des deux côtés pour être plus ou moins agressif. Là, on est en position agressive. Si on a des couverts qui seraient coupés, en fait, où les tiges sont très cassantes, je pense aux sarrasins, des trucs comme ça, quand c'est frais. Et l'idée, c'est pas de les couper, c'est vraiment de les garder dans toute leur longueur. Donc on utiliserait l'autre côté, on mettrait les tracteurs là, côté moins agressif. Voilà, exemple, c'est un bon exemple aussi. On s'est rendu compte, hein, que si on coupe par exemple un couvert non gélif à base de seigle, si on coupe le seigle au lieu de l'écraser, ben, il va retaler. Alors que si on l'écrase, il ne retale pas. Enfin, c'est vrai que si c'est pas au stade de floraison. Il faut qu'il soit assez avancé, bien sûr. Ouais, oui, parce oui. Que si tu le coupes même au stade de floraison, il crève en général. Ça dépendra de plein de choses, mais le stade floraison, c'est quand même le stade effectivement le moins risqué. Voilà. Après, la problématique, moi j'ai eu des collègues, ils ont mis un seigle veste, ils étaient tout fous, ils avaient un beau seigle, mais ils ont tardé à le détruire par rapport par rapport à la mise en place de la culture de la courge qui suivait. Ils ont tardé à détruire le seigle, et du coup, plus tu laisses le seigle, plus il provoque d'allélopathie, etc. Donc en fait, il faut vraiment, je répète, implanter le couvert au bon moment pour qu'on lui donne le maximum de chances d'être bien développé et qu'on le détruise vraiment, que ça n'impute pas la bonne implantation de la culture derrière. Il ne faut pas voir que le cycle de la culture de vente, il faut anticiper avec le cycle de du couvert. Et ça, ben, y a des années où ça réussit plus ou moins bien. C'est pour ça que nous, le rouleau, c'est une chose, mais si vraiment on sent que la plante est encore trop herbacée, pas assez ligneuse et qu'on n'arrivera pas à la rouler, ben, on fait de l'occultation en fait. Hein. Le rouleau ne peut pas répondre à toutes les situations non plus. Mais en termes de temps de travail et machin, ben, là on gagne énormément de temps. Donc sur l'allélopathie du seigle, Konrad Schreiber, il a fait des travaux, il a aussi fait des recherches sur la biblio, et ce qui ressort, c'est que le seigle est allélopathique pendant sa dégradation. Donc si tu implantes une culture juste après couchage du seigle, par exemple, ou d'un autre couvert allélopathique, cette culture, dans un sol humide, va s'implanter bien, ben, l'allélopathie aura peu d'effet. Si par contre, tu attends une semaine pour planter après truc, tu auras peut-être plus de risques. Quoi. Nous, on l'a vu sur courge, hein, on a eu des problèmes. Et Steve Goff, il disait ça l'année dernière, justement. Il le disait aussi. Il disait ouais. 8 à 12 jours, tout couvert, en fait, de manière générale. Si on attendait 8 à 12 jours, il y avait un effet allélopathique. Donc, il faut planter tout de suite ou semer tout de suite dedans. Tu couches, tu sèmes. Voilà. C'est ça la règle pour que ça marche mieux.
Mais en combiné, ouais, tu peux faire holofaca et strip-till à l'arrière, par exemple. Ça, on est équipé pour le faire. Mmh. Voilà. Plus on a de possibilités, plus on peut s'amuser. Donc le relevage avant, on a aussi cherché ça sur un tracteur parce que ça donne plus de polyvalence et c'est vrai que ça te fait gagner du temps, etc. Jamais assez de combinaisons. Il y en a qui ont essayé les rouleaux fracas à la main, ça existe ou... C'est souvent trop léger. Ah, oui. Nous on en avait fait un, on a fait un prototype à la main, celui-là mais en mode miniature. C'est tout beau, mais ça marche pas. Mais à la main, ce qui pourrait valoir le coup, c'est une sorte de tranche, quoi. Ou une houe, tu vois, avec une binette, ouais. Ça fait le même. Enfin, l'idée, c'est que tu abîmes. Tu écrases, tu tranches. Oui, les raquettes, ça, c'est le bon truc. Ouais. Raquettes à neige. Dans ton jardin. Pour la glace dessous, en plus. Avec les geishas, elle avait du fort en grand. Florence, elle est là au rencontre. Je vais lui demander. Référence raquette à neige, Florence. Tu fais un appel micro. Voilà. Ok. Merci. Ça le déjoue jusqu'au bout là.